Bonjour. Bonjour. Va? Ça va? Ça va? Ouais. Ouais. Et toi, ça Ouais. va? Tu m'as manqué là. Moi aussi, ouais, Vraiment. c'est vrai. T'as des vacances là, Ouais. t'as vu? Ouais. Tu m'as beaucoup manqué. Il y a eu plein de trucs en plus quand Ouais. j'étais pas là. J'ai dormi dans mon slip pendant 2 semaines. Deux semaines, Ouais. ouais. C'était cruel. Ouais. Le micro, il est sur mute. Non, il est pas sur Non? mute. Non, T'es il est sûr? allumé. Regardez, il est Ah ouais? beau. Ouais. Micro test 1, 2. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Salut à tous! Salut, Voilà. ça va? Ouais, bien. Ouais, ça va? Bien, ouais. Bien. Alors bienvenue chez Ch nous. nous. Voilà. Voilà. Alors. Bon, on est de retour. Enfin, vous avez pas trop remarqué l'absence parce qu'on a mis pas mal de vidéos qu'on avait programmées, des unboxings, des petits. Il y a eu 2-3 gameplays aussi de couleurs, etc. Je sais même plus, Ouais, il y a eu des trucs, quoi. On sait ouais. plus. Et aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo avec les nouveautés qu'il y a sur le jeu, qui sont apparues dernièrement. Alors, on est un peu à la bourre, mais c'est à cause des vacances, hein. Voilà. Voilà, parce que monsieur est parti à l'autre bout de la terre Bah oui. voir les jolies filles. Et on va vous faire le tirage sur le portail C17. On fera 3 tirages, peut-être 4, allez. Alors lui, il n'en fera pas, il l'a déjà eu, parce Quatre. qu'il a pas réussi à attendre. 4, c'est mes DS, Quatre, vas-y, connard. quatre. Et voilà, donc on va vous parler d'abord des nouveautés, parce qu'il y en a quelques-unes. La première, qui est pour moi sans doute la mieux, donc je regarde un peu mon téléphone, c'est le nouveau système d'entraînement. Donc maintenant on a les mêmes menus que sur la version Jap, donc je prends un perso au bol, hein. Je prends par exemple Zanga là. Voilà, si je veux l'entraîner maintenant, je peux tout faire en automatique. Et du coup le menu va m'adapter les persos que je peux prendre pour entraînement et les objets pour la monter au niveau max. Et évidemment si on change de stage, si on prend un stage qui rapporte plus d'XP, voilà, je prends le dernier stage. Si je rappuie sur auto là, bah voilà, du coup ça me prend moins d'objets. Là, je vais pas faire l'entraînement parce que je vois qu'elle m'a mis 2 Sangwan Tech, là, les R, qui sont des Sangwan qu'on a dans le nouvel événement, là. Exactement. Comment il s'appelle l'événement déjà? C'est l'événement des Des Saiyans, Saiyans, mais voilà, enfin avec le Ozaru, le là. nouvel événement, c'est un vieil événement, mais pour toi il est nouveau. Pour moi, il est nouveau, Voilà. voilà. Et du coup, j'ai envie de le monter parce qu'il a un Dokkan, celui-là. Donc, je vais pas le faire. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme nouveauté? On a eu chez Baba. Dans les missions, déjà dans les missions, on a les missions superbes avec les de Kaioshin. Voilà, alors attends, je vais aller chez Baba. Voilà, il y a encore les soldes, hein, j'ai pas tout acheté, hein. Je ne suis pas un pigeon. Je suis la moitié d'un pigeon. N'est-ce pas? Alors moi je suis un pigeon. Bon, cette fois, il n'y a pas beaucoup de soldes en plus, Non, hein. là ils ont fait. Ils ont été soft, hein, parce que bon, le portail est pourri, mais on en parlera après. Ils sont salauds. Voilà. Alors, chez Baba, il y a un petit changement. Il y a des petits onglets. Voilà, donc les onglets, c'est ici, dans la partie trésor. Donc maintenant, vous voyez en haut de l'écran, à côté de Baba, Voilà. voili voilou, on peut aller choisir le type de monnaie en fait, avec lequel on veut acheter des objets, et ça nous affiche tout de suite les objets relatifs à la monnaie en fait. Ouais, alors là, il n'y a pas par exemple les pommes de Dragon Ball GT ou les. C'est quoi? Y a les. Dans Dragon Il y Ball a GT, c'est les. les pommes en C'est les premier. pommes, ouais. Et le deuxième, c'est quoi déjà? Putain, je ne me rappelle plus. Bon, je sais Moi, plus. je reviens de vacances, je suis jet-lagué. Voilà. Je sais même plus. Voilà. On parle de Naruto, c'est ça, hein? Non, Non. on parle de C'est One Nibetum, Capitaine Piece, là, c'est One Tsubasa. Piece. Voilà. Voilà. D'accord, en fait, quand tu auras les pommes, quand tu as les autres events, Oui, ça les s'ajoute, objets se hein. rajoutent en haut, là. Voilà. Et du coup, quand vous vous baladez d'un onglet à l'autre, bah, vous avez les objets relatifs à la Voilà. monnaie. Donc là, si je prends les gemmes incroyables, pardon, bah, j'ai tout ce que je peux acheter avec qui apparaît. Exactement. En haut, t'as Et ta quantité, là, sur 618. voilà. Et puis, si je bouge, comme j'ai pas de pierre de Kaioshin, bah, c'est tout grisé, hein. Voilà. Voilà. Ah, on pourrait acheter des slots. Il y a des slots très importants. Ouais, c'est ce qu'il faut acheter. Alors, personnellement, hein, donc, les hauts joueurs misaient sur les actes en plus. Oui, les actes, Ouais. c'est les actes. Apparemment, pour en acheter 20 de plus, au maximum, il y en a 20. Voilà, exactement, 20 dispo. Ouais. Moi, personnellement, je vais focus ça. Je n'ai même pas focus les Hulk Eye, honnêtement, je m'en fous, j'en ai quand même pas mal. Et puis voilà. Ouais. Au niveau où je suis, c'est pas vraiment ce que je cours derrière. Je crois qu'il y en a, il y a 2 Hulk Eye, honnêtement, je m'en fous. Par contre, les actes, on peut en acheter 20 de plus, et ça, c'est quand même. C'est pas mal, ouais. Ah, c'est C'est cool, pas les actes, mal, franchement, ouais. ouais. Et du coup, comment on obtient ces pierres de Kaioshin? Donc, il En me faisant semble. la petite C'est dans les mission. quêtes, hein. Non, mission ici. C'est dans mission? Mais ressors de là tout de Ah, mais suite. oui, parce qu'on peut aller dessus Mais depuis tu peux là. ressortir Oui, si t'as je vais pris, ressortir. Hein. voilà. Donc on va dans là où on valide les missions, donc les hauts Exactement. Et là, il y a faits. le petit onglet Kaioshin. Voilà, Hein. Et l'épreuve de voilà. Kaio. Tu vas te calmer, s'il te plaît? Voilà. C'est pas vrai, ce gars. Donc là, on a les zones dans lesquelles sont dispo les objets de caillots, les Voilà. pierres. Donc zone 1, 2 et 3. Ouais, donc pour le moment, c'est On voilà. déplie
Et là, si j'appuie sur l'après-tournoi, voilà, ils me disent ce que je dois faire pour les gagner. Exactement. Donc, on va le laisser bâiller. Bravo. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, terminer le niveau sans continu, terminer sans utiliser d'objets, et terminer avec un, terminer un niveau avec 6 persos SSR ou d'une rareté inférieure. Donc, aucun UR, déjà. Voilà, aucun UR. Je suis pas dans la merde. Non, je déconne. Donc, si on appuie sur commencer. Déjà là, toi, tu peux récolter 4. Bah, en fait, il y a le petit, voilà, Ruban, là. Le petit ruban, tu sais. Ah, bah, ça veut dire que c'est dans ce stage que tu peux les avoir. Et voilà. Et déjà, rien que ta première mission, si tu fais les trois objectifs, ça t'en rapporte 4 direct. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et c'est pas mal. Non, mais c'est bien, ça rajoute un peu de contenu. Parce que là, bon, là, moi, je suis en train de faire le Super C17. Que pas très compliqué. Je me suis fait poutre au début, parce que je m'attendais pas à certaines choses. Mais au final, il est vraiment pas compliqué. Mais après, voilà. Si c'est comme reparti pour les deux dernières semaines, où il y a pas spécialement grand chose à faire. Ouais. Non, c'est cool, ça rajoute du contenu, ça rajoute des, ça voilà, ça fait revenir dans les, ça nous fait retourner dans des vieilles zones en fait, qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Ouais. Honnêtement, j'irai jamais parce qu'il y a rien à foutre. Mm. Moi, ça fait belle lurette que le Shenron, les Blue Dragons, j'ai plus rien. Enfin, donc non, ça rajoute du contenu, ça redonne de l'intérêt. C'est avec des petites choses comme ça. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, arrête de secouer la tête, on dirait que t'es en train de te faire. Ouais, moi, je suis à Ibiza, à la Space. Et puis, bref. Tu vois, alors si tu retournes dedans, tu vois qu'il y a aussi dans les événements. Mais là, il n'y a rien en ce moment. Ah oui, il y aura des événements après où on pourra gagner des pierres de Kaioshin. Exactement. Et il y a autre chose. Genre finir Broly avec une équipe R. Non, je déconne. Vite fait. Ouais, vite fait. Il y a un nouveau coffre de Pilaf pour les nouveaux joueurs. On va quand même en parler, hein, ils ont appelé ça les coffres de pigeons. Alors, un nouveau coffre de pigeons, hein, pour les nouveaux joueurs. Alors, il est moins pire que les libérations de potentiel, hein. 22 € pour des petites, voilà. Franchement, 22 € pour ça, c'est de l'arnaque, hein. 600 sphères, enfin, 300 sphères de potentiel en plus, enfin, les médiums. Moi, je pense au pauvre mec qui les a tout achetés. Ouais, alors, voilà. Il s'est dit, je suis full de potentiel, ouais. C'est super, je suis claqué 200 boules. Par contre, il y en avait un pour les nouveaux joueurs, mais pourquoi je le vois pas? Ils sont à droite en haut, faut tourner, gros. Ah oui, pardon. C'est pas celui-là. Voilà, ça c'est l'éveil. Le nouveau joueur, c'est le dernier. Hein. Ouais, c'est le dernier. Ouais. Donc il y a celui-là. Le mystère Pakiboule de Gros. Pour 11 €, quoi, en gros. Donc celui-là, c'est le moins pire. Il y a un ticket nouveau joueur, je pense qu'on a un perso SSR sur un portail. Non, chez Baba. Chez Baba. Ouais, faut réguler des persos. Hein. Voilà. Il y a 15 pierres, après il y a des médailles d'éveil. Il y en a 10 de chaque. Franchement, ils auraient pu en mettre 20 de celle-ci et puis 10 des autres. Non, mais t'as 10 Grégor. Non, mais voilà. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'objets là qui sont plus intéressants que les sphères de potentiel. Il y a les épées d'entraînement, enfin. Il faut dire que chez Baba, pour 11 €, t'as pas 15 pierres. Mais non. T'as pas 15 DS. Après, moi, je le prends pas, mais voilà, c'est. Ouais. C'est juste pour vous parler des news et puis pour là, aussi. Là, c'est le système. C'est le PSG qui a racheté le jeu, c'est pas possible. Ouais. C'est la merde pareil, quoi. Non, puis bon, de toute façon, on sait, dans ce jeu est cher, hein. De toute façon, puis. Oui, non, mais alors là, c'est le summum, là. Là, c'est le summum. D'habitude, les coffres de Pilaf, moi, j'en ai déjà acheté un ou deux, et ça allait, il y en avait un que j'ai acheté, pour les 222 millions, où il y avait 50 DS dedans. Je crois que le tout premier pack, le tout premier coffre, je l'ai acheté quand il est arrivé, je sais plus ce qu'il y avait dedans, le tout premier, ouais. Et puis après, plus jamais. Voilà. Voilà. Ok, bah du coup on a dit beaucoup de merde, hein, là. On va partir sur le tirage. On va partir enfin, pour les news, c'est tout bon. Oh, vas-y. Donc lui il a déjà Super C17, hein, ouais. Il a fait des tirages hors merci, caméra, ouais. il a pas tenu le coup. Ouais, merci chérie surtout. On va 600 DSL, voilà. Il m'a coûté ici Super C17. On va regarder le détecteur. Donc il y a évidemment le Super C17 qui est le personnage central du portail. Donc c'est censé être un leader. Donc c'est un lead extrême. Voilà, donc il a qui plus 2, 100% de dé sur le type extrême agi et 40% d'attaque, défense et de PV en plus sur le super agi pour son leader. Pour son aptitude passive, dégâts encaissés réduits 30%, attaque 20% lorsqu'une attaque est encaissée, maximum 100%. Donc j'imagine quand il est en Dokkan, c'est assez intéressant ça. Ouais, ça monte à 100 quand il est en Dokkan. Et il diminue la def quand il fait une attaque SP. Ouais, quand il est en Dokkan, il passe à 100, donc il peut monter jusqu'à 100 quand il encaisse. Et il est en qui plus 3. C'est pas mal. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Non, franchement, il est pas dégueulasse, quoi. Ouais. Après, ouais. Bon. Ça vient par rapport aux autres leads qu'il y a. Ouais. On reviendra après là-dessus. On va finir de regarder les persos. Donc, on a un SSJ4 de Vegeta. Qui est intéressant. Pour ceux qui l'ont pas eu lors de son premier portail ou ceux qui cherchent des doublons. Pour ceux qui l'ont pas, c'est le personnage du portail. Pour moi aussi. Ouais. Black Rosé, que je n'ai toujours pas.
Alors perso, moi c'est lui que je veux, hein. Super Saiyan 17, j'en ai rien à foutre. C'est moi, même, moi c'est quand même le troisième ou quatrième que je fous chez Baba. Ok. Il me fait mal au cœur chaque fois, je pense à toi. Ouais, bah, moi j'ai 100 jours de jeu, toi t'en as 600. Ouais. Donc voilà, moi j'aimerais bien Black Rosé, puis un voire deux doublons de Vegeta SSJ4. Après on a le SV. Le SV, je crache pas sur un doublon en plus, hein. J'en ai déjà un. Donc voilà. Après on a le Son Goku Super Saiyan 3 AJ. Moi j'aime bien ce perso, je trouve qu'il est bien. Mm-hmm. Franchement, il fait des dégâts. Ouais, il est vraiment pas mal. Puis la carte est jolie. Il y a des choux. Après, on a le C17 Intel. Ouais, qui a un trop de trop de merde. Un trop de merde. Je crois que c'est celui qui a le plus mauvais taux de drop. Bah, il a 0,7. Ouais. Et le Super C17 a 0,8. Ouais. Il y a l'AJ que j'ai. Il y a l'AJ. Ouais. Alors lui, j'ai. Tu l'as eu beaucoup, toi? J'ai eu 6 fois. Il tombe à 9%, j'ai vu. Hein, ouais, j'ai eu 6 fois. Ok. Alors, non, à part ça. Non, pas 9%, il est à 0,9. Ah, il est à 0,9. Parce que tu confonds avec les deux. Ah, je confonds avec les deux SR. Je confonds avec les SR. Ils sont à quasiment 10% chaque fois. Ouais. Alors, à part ça, bon, mon téléphone lag un peu. Je trouve les deux cartes, alors c'est la même, hein, mais je la trouve stylée. Elles sont jolies, les cartes. Ouais, avec le manteau, là, il est vraiment classe. Ça donne bien, puis ils ont les yeux. Ouais. Non, les artworks sont propres. Et après, bah, il y a les deux SR, hein, voilà, il me semble. Un tech, SR, un ampoule. Alors, eux, ils ont un taux de drop, ouais. C'est eux qui sont à 9%. Exactement. Et petite astuce, pas que je vous dise des conneries. Donc, il va vous dire une connerie. Donc, moi, j'ai eu le Super C17, mais le C17, moi, j'ai, donc, il y a le C17 SSR. Moi, j'ai eu le AJ. Donc, pas l'intelligence, hein. L'intelligence, je l'ai pas vu en 600DS. J'ai eu le AJ. Il me montre l'aspect. Le C17 Endurance SR, il me semble, c'est le Endurance. Permet, si on passe en SSR, permet d'avoir 50% de chance de monter l'aspect de l'autre. Moi, j'ai monté sa SP à SP 10 comme ça. Ok. Ouais, je l'ai eu tellement de fois l'autre que je me dis, bon, par contre, ça coûte en. Ouais, en objet à déveil. Ça coûte en objet en déveil et en thune. Hein, parce que maintenant, je les ai tous montés, j'ai dû perdre 10. Alors, on y va. Premier invoque. Alors, je vous préviens, hein, si je l'ai au premier coup, je sais même pas si je fais les deux autres tirages. Ah non, bah non. Ah ouais, après, tu veux Vegeta, toi. Moi, j'aimerais Black Rosé. Ah oui, tu veux Black Rosé. Moi, je veux Black Rosé. Tu veux un doublon pour Vegeta. J'ai eu un doublon pour Vegeta, d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien un doublon pour Vegeta. Ah, j'ai eu un petit doublon, je suis content. Et j'aimerais bien un Black Rosé. Et si j'ai un doublon pour le SV, pour le super Vegeto, ouais. Pardon, je crache pas dessus. Donc, voilà, bon, là, SSJ2, il sent pas la folie, hein, ce portail, hein. Non, mais bon, on va vous virer la bannière, là, peut-être, en haut. Ah oui, on n'est pas niveau 959, hein. C'est une bannière. Ouais, voilà, donc, on commence avec une petite C18 Intel, on essaie. Hop, là, y a plus. Après, c'est Boyak, ça? Boyak, super. Boyak, il y a un petit décalage, j'ai dit un peu tôt, hein. Ouais. Mais toutes mes confuses, attends, hein. Qu'elles apparaissent sur les. Ouais, je vais regarder l'écran, hein, pour pas. Voilà. Ouh là là. Oh là là, Janemba déguisé en Trunks, R, en purée. Ça vend du rêve, hein. Ça vend vraiment du rêve. Ah là là. Ouh! Ah, le film, ça. Ouh! C'est le clown. Chat au-dessous, quoi. Chat au-dessous. Enfin, bref, c'est nul. Le chat en dessous. Oh! Sauceur! Qui a un Dokkan. Il a un Dokkan. Et qui est super stylé avec son truc moule burn violet. Ouais, j'adore. Puis, il a un Dokkan. Il a un Dokkan. Je l'ai tiré, je l'ai balancé. Ouais. Ah, bah, tiens, c'est 17. Ouais, ceux-là, ils ont un taux de drop. Endurance. Ouais, ils ont un taux de drop à fond. Ouais. Bah, c'est abusé. Alors, je vais les garder au et cas alors, où. Hein. Juste pour te dire, moi, j'ai eu les deux SR, donc en SP10 pour finir. Hein. J'ai eu le SSR C17 AJ et le Super C17. Je dois faire, je sais pas combien de fois, Léon. Je crois que je dois le faire bonne deux fois en tout. Super. Ouais. Bon, j'ai un appât avec des veines sur le crâne, un peu énervé. Ouais. Il a pas de canne, celui-là. Non, parce que le SSR, donc le Super C17, donc c'est 11 fois l'event. Oh! Ça revient, c'est pas. C'est les joies du direct. Hein. Alors, voilà, donc, vous voyez ce que ça donne quand c'est fait sur un Android. Hein. Je fais pas de la pub pour la pomme, mais moi, ça me fait jamais ça. Quoi. Non, bah, non, ça. Ah. Bon, c'est le téléphone qui est pourri, c'est pas Android. Ah, deux fois de suite. Ouais. Ah, bah, tiens. Ouais, moi, j'ai dit, ouais, j'ai eu que ça quasiment. Je vais en avoir 10 000, quoi. Ouais. Oula, attention. Ouh, la petite coquine. La petite coquine. On a fait son petit unboxing derrière. On a fait son petit unboxing, ouais. Et là, elle a moins de poitrine. Par contre, elle est habillée pareil. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est fini, je crois. Hein. Mais tu verras, donc les C17 SR ont un Dokkan, hein, où ils passent en Super C17. Et oui. Il te faut 21 médailles par perso. Super. Donc là, vu que t'as déjà les deux, bah, ça te fera déjà 42 médailles. On est content. Ouais. On va faire le deuxième tirage. Franchement, j'ai pas envie d'en faire 4, quoi. Hein. Ça me, ouais, tu peux le faire, le pouce en l'air, ça me. Parce que je trouve vraiment que le portail. En fait, t'as pas eu un SSR. Ah, bah voilà. Voilà, ouais, bah voilà. Non, mais SSR garanti. Voilà. Mais je trouve que le portail,
Bah, par exemple, pour les joueurs comme toi qui jouent depuis longtemps, il est nul, il a aucun intérêt. Non, il y a Vegeta, ça va. Honnêtement, je te. Ouais, alors il y a le doublon Vegeta. Vegeta, j'étais content. Il y a le doublon Vegeta, voilà. Mais juste pour la petite histoire, le perso, le Super Saiyan 7, il est sorti il y a un petit moment sur la Jap et il a été très peu joué, faut dire. Il a été vachement bâché. Parce que en agi, il y a mieux en lead, même en super, en extrême, pardon. Mais le problème, c'est qu'il fait pas très mal. Il fait pas beaucoup de dégâts. Oh purée, Freezer deuxième forme qui est allé au fitness. Après, faut regarder. Oui, il est gros, hein, il a mangé des œufs celui-là. Hein. Level, le portail. Ah ben voilà. Et voilà. Jean-Michel Chat, bonsoir. C'est pas le super. Ah non, c'est pas le vent. Bon, c'est le SSR. Ah bah, t'as le hint, toi. Ouais, j'ai le hint. Moi, j'ai eu le AJ. Voilà. Donc toi, il est bien pour le hint. Bon bah, ça te fera encore pas mal de médailles à faire. Ah le Vegeta. Ah, là, je suis content. Là, voilà. Je suis content. Un petit doublon. C'est un bon tirage. Je vais partir dans la partie tank, hein, pour. Je vais ouvrir l'arbre tank. Après, qu'est-ce qu'on a? Avec son joli petit brushing. Alors, elle a un Dokkan. Hein. Elle a un Dokkan. Donc, je la garde. J'ai déjà plusieurs fois en plus. Hein, donc, je vais la garder. Dongo. C'est une copine de Boyak. Hein. Ouais. Encore un C17. C'est lequel, celui-là? C'est le tech. Donc, dans la logique, tu pourras monter l'aspect des autres avec cela. Ouais, l'aspect de ton intelligence. Oh, encore un C17. Lilalou. C'est comme c'est étonnant. Purée. Ouais. Mais c'est affligeant quand même, il tombe tout le temps. Tao Pai Pai, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Avec sa petite natte. Ouais, il est chou Tao Pai Pai. Ouais, il est chou. Qui n'aime pas Tao Pai Pai? Ouais. Moi je l'aime pas trop. Ah bah dis donc, c'est original. Bon là il est mieux, il a la veste. Moi je le préfère, ouais. Je préfère celui-là en fait. Ouh alors attention, alors là ça annonce du lourd. Ouais. Le Sangohan champion du monde avec sa petite tenue pour aller à l'école. Oh putain la carte quoi. Mais non, C17. Dis donc, c'est original. comme c'est original, ouais. Le Hellfighter. Et c'est fini. Bon, deux SSR. Ouais, puis t'as eu deux SSR. Un SSJ4. Ouais, là t'as eu deux SSR. Bon, j'ai cru que j'avais le Super C17, hein. Du coup, ouais. Je suis quand même un petit peu déçu. Mais bon, je vais le garder le hint, hein, parce qu'il est quand même pas mal. Hein. Tu vas pas le balancer. Ah non, je vais pas le balancer. C'est un SSR que t'as pas. Ah, j'ai trop de persos. Bon, ouais. On s'en fout. Troisième invoque. C'est parti. Bon, je suis à 588. Hein. Faut dire, faut pas claquer toutes vos DS là-dessus, parce qu'il y a le portail avec Gogeta Hunt qui va arriver. Oh, un autre Shenron. Non, il y a les cartes qui ont été dévoilées, qui sont dedans, mais le portail est loin de sortir. Ouais, mais bon, il va arriver, quoi, au bout d'un moment. Et il y aura. Oui, il va arriver, oui. Il va arriver en fin d'année. Dedans, il y aura aussi le SSJ3 Sangoku Ange, si je me trompe pas. Ils sont dans le même portail? Non, c'est un pas. C'est un autre portail différent, avec Bardock Timebreaker. Avec Bardock. Mais ils vont sortir en même temps, parce qu'ils sortent toujours de portail, non? Quand c'est des gros trucs. Sur la Jap, ils étaient ensemble. Ah, ils étaient dans le même? Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, un Vegeta GT, puissance. Là, normalement, semaine prochaine, il y a le portail Universis avec Calais et puis Caulifla. Ouais, alors ça, je vais faire parce que je les aime bien les deux, j'aime bien les deux cartes. Et il y aura le Dokkan de Hit Intelligence et de Piccolo Intelligence. Oui, parce qu'ils ont un Rebirth. Ils ont un Rebirth. Alors, cette invoque commence, ça vend du rêve, hein. Ça vend du rêve. Franchement, ça vend du rêve. Hein. Ouais. Le maître des grues et puis l'autre gros d'avant, là. Le maître des grues, tu crois qu'il bosse sur Enchanté? Ouais, je pense. Ouais. Oh, Yamcha! Yamcha en SR. Yamcha SSJ3, hein, t'as vu, avec les cheveux. Avec les cheveux très très longs. Ouais. C'est quoi ça? Tao Pai Pai! Sur son bambou. C'est un bambou, ça? Ouais. Il est pas très bien fait. C'est son moyen de transport. Il est pas très bien fait. Ah bah voilà, super. Ah bah voilà, Jean-Michel Chat, bonsoir! Voilà. La carte est stylée, hein. La carte, elle est belle. La carte est stylée. Ouais. Trois invoques que je vais. Bon, ouais. Je suis content, j'ai de la chance. Hein. Ouais. Shao Tzu. Un Shao Tzu. Mon fils adore Shao Tzu. Ah ouais. Bon, je sais pas pourquoi. Il adore Bulma et Shao Tzu dans Dragon Ball. Parce qu'il est mimi. Bon, il est tout mimi. On dirait Pikachu, c'est rond. Hein. Ouais. Piccolo. Un petit Piccolo qui balance son vibromasseur, hein. Exactement. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Oh, puis ouais, c'est quoi ce machin, ouais. Ah oui, ça c'est Armée de Freezer, ça. Golden Freezer quand il revient sur la Terre. Quand il a pris trop le soleil, quoi. Shishami. Encore un Shao Tzu. Ah, ça vend du rêve. Hein. Franchement, ça vend du rêve. Heureusement que j'ai eu le Super C17. Hein. Et voilà, c'est bon. Eh ben, ça fait pas beaucoup d'event à faire pour le C17, t'es content? Ouais. Ouais. Ouais, on soit là. 5 fois l'autre. J'ai pas eu de Black Rosé. Non. Alors je vais faire un dernier. Tu veux ton Black Rosé, hein? Ouais, mais je fais un dernier. C'est ton Arlésienne. C'est ma pute qui veut pas venir. Oh purée quoi, c'est horrible. On a c'est horrible. Arlésienne. C'est horrible. C'est celui qui. Mais il y a aussi Végétaux Divins, moi j'en ai deux. Végétaux Divins, je l'ai toujours pas. C'est quand même. Tu as Végétaux Blue? Ouais. Ok, je l'ai toujours pas. Sur la Jap, je l'ai.
Mais sur la globale, je l'ai pas. Ouais, généralement, sur la Jap, tu fais des comptes à la con, et puis t'as tous les pires, persos, ouais. Hein, genre du Trunks LR. Voilà, Trunks LR, je l'ai eu sur la Jap. J'ai été intelligence. Ouais. Hein, voilà. Mais par contre. Alors, Trunks LR sur la Jap, je l'ai eu, j'ai fait une invoque à 5 DS. Ouais. Ouais. C'est pas de l'achat, ça. Non. Bon, allez, vas-y. Oh, bah, il est bien, lui. Il est bien. Il a un Dokkan d'ailleurs. Il a un Dokkan. Et puis ouais, c'est un. Il est pas mauvais. C'est un support, hein, si je me trompe pas. Et il bloque l'attaque spé. Donc c'est une très bonne carte celle-là. Ouais. Il est très utile en équipe. Alors lui, je l'ai déjà 4 fois. Je sais même pas si elle est bien la carte. J'ai jamais fait gaffe. Ouais, le Kamehameha familial. Ouais. Il y a à peu près la même en Agi. La carte, le dessin. Ouais. Bah là, normalement, t'as les 3. T'as Gohan et Goten aussi. Ouais. Ouais, c'est des vieux SSR ça. Ouais, c'est des vieilles cartes. Oh, un Dodoria. Oh, je crois qu'il a un. Je disais quand il a un Reverse aussi. Alors ça, faudra qu'on regarde, je sais pas. Ah, pas de Dorian. Oh, regarde ce qui arrive. Oh, c'est du sale. C'est du sale, une fois. Ouais. En tech. Mais gardez, hein, comme je dis. Ah non, mais je les garde, hein. Ouais. Je vais aller monter les slots, par contre, parce que depuis le coup, Tu peux aller garder, là. Tu peux aller essayer de monter l'attaque speed de l'autre. Bon, après, ça claque pas mal de matos, mais c'est pas grave. C'est pas très grave, Trunks, ouais. Eh, ton black, là, hein. Allez. Ah non, mais il va pas venir, allez, mon black, hein. Allez. C'est 17. Alors, si je l'ai pas, c'est pas un drame, parce que j'ai une très bonne box. Il tombera quand il servira plus à rien. Il servira à rien du tout. Un Piccolo R, ça vend du rêve. Bah, t'as fini. Un autre Boyac. Je sais pas si c'est la dernière Boyac. Il a un Dokkan, ce Boyac, hein, à part ça. Ouais, j'en suis, c'est ça. C'est une vieille carte. C'est une très vieille carte. Oh là là, dis donc. Mais qui c'est lui? Mais qui c'est que c'est lui? Je sais pas. Oh mais c'est 17! Ah ouais? Oh! Tu viens de l'avoir, non? Ouais, je viens de l'avoir 12 fois. Bon, ouais. Black Rosé va te faire foutre. Voilà. Voilà. Bah voilà, on va quand même aller sur la liste des persos. Et puis on va les classer par date et par SSR hein, pour qu'on fasse un petit récap des persos que j'ai eu en SSR. Les autres, on s'en fout un petit peu. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de SSR finalement. 4, franchement, sur les 4, t'as 3 qui sont très très bien. Hein. Ouais. T'as un doublon pour ton Vegeta qui est vraiment bien. Ouais. Et t'as le C17. Bah, le C17, hein, moi j'ai la J. Après, je sais pas ce qu'il va, là, honnêtement. Bah, à mon avis, ça doit être. Ouais. Faut voir. Et le Super C17 qui reste quand même un niveau de carte. Oui, on va pas se plaindre non plus. Hein. C'est quand même une bonne carte, donc on va pas se plaindre. Peut-être qu'il fera le bonheur. Moi, je l'ai fait. Je vais me faire chier à Dokkan, je vais le jouer quand même, parce que moi, je me suis pas fait chier. Ah, mais moi, je vais quand même le monter. C'est toujours bien d'avoir un perso qui se Dokkan. C'est la mise qui m'a fumé la moitié de ma box DS. Ouais. Non, mais faut jamais laisser un jeu vidéo à. Autant l'utiliser, merde, bordel. Hein. Jamais laisser un jeu vidéo à sa femme. Jamais. Voilà. Donc, finalement, c'était un bon tirage. J'ai pas eu mon Black Rosé, mais bon, c'est pas très grave. J'ai eu quand même, je voulais un Vegeta SSJ4. Tu l'as eu. Pour le Super C17. Pour doublon. J'aurais bien voulu un SV comme doublon, mais c'est pas très grave. Et je voulais le Super C17 parce que c'est le nouveau perso. En 4 invoques, je l'ai eu à la 3ème. Ouais. Franchement, c'est cool, quoi. Ouais. Donc, on vous refera une vidéo avec l'event pour voir un petit peu comment on peut le faire. On le fera avec mon compte, comme ça, parce qu'avec le sien, de toute façon, l'event, on le fume. Mm-hmm. N'est-ce pas, hein? On le fume avec ton compte. Bah. Oui. Voilà. Oui. Oui, non, mais même, l'event est pas. Ouais, faut. L'event est pas. Ça sert à rien d'avoir des monstres, là. Hein, là ouais. Voilà. C'est un peu plus stratégique. Il est pas monstrueusement compliqué, faut avoir une bonne. Clin d'œil, c'est avec un Broly, tu te fais fumer la gueule, quoi. Hein? Ouais. Broly LR, là, il servira à rien. Il sert à que dalle, là. Bon, on vous montrera ça. On vous montre ça tantôt. Tu te manges une attaque spé à 160 000 sur ton Broly LR, il t'a servi à que dalle. Il t'a servi à que dalle. Voilà. Bah voilà, c'est tout pour cette petite vidéo nouveauté et tirage. Une dernière chose. J'ai commencé une série de tout seul pendant qu'il était en vacances. Ah, qui s'appelle Stranger Things sur Netflix. Non, je déconne. Voilà. Non, c'est avec un. J'ai créé un nouveau compte qui sera free to play. Cette série de vidéos, elle va vous servir pour les nouveaux joueurs, parce qu'on a beaucoup de, nouveaux joueurs qui nous suivent. Et c'est un petit peu pour vous guider, pour vous montrer si vous n'avez pas envie de claquer de la thune, comment on peut jouer. Voilà. Donc il y a déjà 2 enregistrements. J'en ferai aussi avec lui, parce qu'il connaît quand même très bien le jeu. Et voilà. C'est tout. Hein? C'est tout. Ouais. Là, sur ce là-dessus. Ouais, c'est là-dessus. Là-dessus. Hein? Ouais. Je sais pas. Ouais. Hein? Ouais. Ah, ça filme. Ça, ah merde. Bon, okay. Oubliez pas de nous liker partout où vous voulez et partout. Et bisous. Au revoir. Salut les chatons.